Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui sur Walibi Belgique pour la réouverture des parcs aujourd'hui. On était avec l'équipe de Tracto Coaster qui avait organisé sur Park Meets pour avoir des compagnons pour pouvoir aller dans les parcs. Donc on s'est un petit peu lâché. Tout à l'heure j'étais avec Gargantua, donc la youtubeuse aussi de parc un peu comme moi. On a pu se rencontrer et tout avec la Coo Coaster, donc c'était vraiment cool. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur chaîne YouTube. J'ai dégainé ma caméra là que maintenant en fin de journée parce qu'il faisait pas beau. Si vous étiez pas au courant sur Instagram, je l'ai annoncé tout à l'heure. Et comme ça là on va pouvoir finir la journée sur Conda. De toute façon Walibi, comme je vous l'ai dit, vous le connaissez déjà. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, pour ceux qui connaissent pas, allez faire un tour sur ma chaîne. Vous descendez dans les vidéos, vous allez pouvoir retrouver toutes les vidéos qui sont basées sur Walibi. Et après, du coup, on s'est arrêté devant le Psyché Underground, donc qui est connu de Walibi, anciennement Sirocco. C'est un coaster qui va être refait. Donc ils ont changé les trains là pour la réouverture, donc avec des tout nouveaux trains. Je vais essayer de vous filmer ça juste avant d'embarquer. On voit pas grand chose là-dedans, c'est fort noir, donc je vous filmerai pas. Donc il y aura ici dans cette zone, vous allez retrouver un nouveau coaster familial. Donc on ne sait pas encore à quoi s'attendre. Avec ainsi que le Psyché Underground derrière qui sera rethématisé. Donc le parcours, le layout ne change pas. Donc allez, c'est parti, on va aller faire ça tout de suite. Comme ça après on a tous rendez-vous normalement à 17h devant Conda avec toute l'équipe Tracto Coaster et Gargantua, la Coo Coaster, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc allez, on va aller faire ça tout de suite, comme ça vous pourrez voir les nouveaux trains, je vais essayer de vous filmer ça tout de suite. Allez, go! L'ancienne propulsion de Sirocco à l'époque, avant qu'il soit Psyché Underground, donc qui sert de décor maintenant mais qui est toujours dans la file d'attente. Donc ancien système de propulsion. Voor het behouden toch! Enkele veiligheidsvoorschriften. Hou altijd armen, benen, staarten binnen in de trein. If turbo-evacuatiesysteem die bediend wordt door ons hoog opgeleid personeel. Goede reis! Regardez, on avance dans la file d'attente, il n'y a vraiment personne. Personne. C'est hallucinant. Depuis ce matin, c'est ça. On attend 5 minutes aux attractions, pas plus. Pas plus de 5 minutes, donc c'est vraiment cool. On a pu enchaîner déjà au moins 5 fois Conda depuis ce matin. Mais comme je vous ai dit, ce matin, il faisait pas beau. Ça ne servait à rien de vous faire des plans sous la flotte. T'étais tout gris et tout. La caméra, elle aurait pris cher. Donc voilà, donc c'est parti. Là, on avance et je vais vous faire voir les trains. Comme ça après on va aller directement sur Conda faire quelques petits plans pour vous dire de faire quand même un petit contenu. Au début je voulais pas faire de vidéo mais je m'en suis voulu, après je me suis dit c'est comme la rouverture, vous faire un petit contenu même si c'est 10-15 minutes de vidéo, peut-être plus hein, mais on verra bien. Allez go. Alors on est aussi sur un événement aussi sur Walibi, un événement pour le film Ghostbusters qui va sortir le 8 avril. Donc ils nous ont fait un container en fait avec une immersion, on n'a pas de lunettes, je pensais qu'on avait des lunettes. Et en fait pas du tout, c'est dans un container et il se passe pas grand chose, donc on n'a pas trop bien compris le truc. Allez, c'est parti pour Psyché.
Gardez toujours vos bras, vos jambes et vos queues à l'intérieur du véhicule. On ne mange pas, on ne boit pas, on ne fume pas, on ne jette pas son sac ou son petit frère. Donc voilà, là on a les nouveaux trains. Donc à mon avis c'est les mêmes. Je sais pas s'ils ont juste changé les coques, mais ça m'a l'air d'être vraiment des nouveaux trains. Parce qu'on a les mêmes arrêts. Start the system! Start the system! Bon, on est sorti du coup de Psyché Underground. Incroyable, toujours incroyable le Psyché. Hein. Il peut vieillir, mais il est toujours aussi bien. Et on a demandé au monsieur, c'est vraiment des nouveaux trains, c'est pas juste la coque, c'est vraiment le train en entier qui a été changé. Donc ça se voit, ça se voyait, mais c'est parce qu'on avait les mêmes harnais, vraiment les mêmes. Donc je me suis dit peut-être que c'est la coque, un peu comme vous voyez Fly Force. On pourrait croire que ça soit des nouveaux trains alors que. C'est juste la coque qu'ils ont changé. Donc voilà, donc on va aller sur Condda maintenant pour finir cette journée, aller rejoindre un peu l'équipe. Parce qu'on a rendez-vous tous à 17h devant Condda, comme je vous ai dit. Et comme ça, quand je retournerai sur Walibi seul, je vous referai un beau vlog, vraiment. Quand il y aura plus de soleil, ce sera plus sympa. Allez, c'est go pour le Condda. Meilleur coaster pour moi jusqu'à maintenant. Hein. Niveau tout, niveau Théma, niveau train, tout. Pour moi, c'est celui-là pour l'instant. Allez, c'est parti. Regardez-moi ce temps, quoi. C'est gris, c'est. Il y a le soleil qui se couvre derrière, quoi, qui veut sortir, mais il n'y a pas. Hein. Mais bon, on n'a pas de pluie déjà là. Depuis tout à l'heure, depuis au moins 3 heures, on n'a pas de pluie. Donc on n'a pas à se plaindre avec 5 minutes par attraction. Vraiment, la seule qu'on a attendue, c'est Popcorn Revenge, parce que Popcorn Revenge, il y avait une maintenance tout à l'heure. Mais, ah, on a le stand de Robbie ici. Le stand de Robbie où il a dévalisé toutes les pluches. Allez, on va aller de rejoindre les potes. Mais je vous l'ai pas dit, je suis avec mon fils aussi. Il a fait sa première fois Condda aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé, Loulou? C'était trop bien. Mieux que Taron? Oui, mieux que... Mmh. C'est quoi ça? La caméra, elle s'en fout. Mais... Donc, c'est mieux que Taron? Trop bien, oui, mieux que Taron. Et mieux que Tutatis? Oui. Ouais. Ah oui, oui. Bon bah tant mieux. Ezio, maintenant il n'y a plus, avec Fantasyland il s'est entraîné, il n'y a plus faire tous les coasters. Donc du coup maintenant il n'y a plus peur de rien, à part les tours de chute, ça viendra. Et là on a le Tiki Waka qui est en l'air aussi, le Tiki Waka donc de chez Gerstlauer, un coaster familial. Hein. Voilà, très sympa à faire aussi, très fluide. Vous pouvez le retrouver dans mes anciens vlogs aussi. Hein. De toute façon vous avez tous les on-rides. Et là-bas on approche du bon vieux Condda. Et j'ai pu aussi aller manger enfin au restaurant indien. Je vous mets la photo juste là. C'était vraiment très très bon. Très très bon avec le tiki masala et les frites de patates douces. On a pris un burger en plus, mais c'était vraiment très bon. Pour moi, un des meilleurs pour moi à Walibi pour jusqu'à maintenant. Par contre, vous avez celui qui est juste derrière moi aussi, qui est, si vous aimez bien le poulet, un restaurant sur le thème de Condda. Bon, c'est plus dans la zone de Condda, mais le poulet, je l'ai pas trouvé croustillant la dernière fois. Pas mauvais en soi, mais le poulet pas croustillant. Et pour moi, du poulet un peu frit, ça doit être croustillant. Mais j'étais déçu, peut-être à retenter une prochaine fois. Donc allez, c'est parti pour Condda. On est juste derrière. Le soleil se sort un peu, ça fait plaisir. She know.
me respect, gotta make sure my presence is known. I ain't felt nothing but power, and lately these hours get later, you know how it go. Came from the back with my pride all intact, and my time in the Mac and attacking them pros. Oh yeah, oh you better act right. Oh yeah, oh I gotta have time. Oh yeah, know the hope been bright. Oh yeah, never let shit slide. Oh yeah, know I gotta get right. Oh yeah, walk up in the pit light. Oh yeah, we ain't let shit slide. Des vidéos dans les parcs d'attractions et des reproductions sur Planet Coaster. J'ai reproduit Condor par exemple, entièrement. Vous pouvez aller faire un tour avec, vous avez tous les vidéos embarquées dans l'attraction, même sur le jeu. J.B. Coaster. Alors ici aussi on a la fresque qui était fort abîmée il y a de ça, juste avant la fermeture du parc. Ils ont carrément tout refait, tout repeint. Ils ont mis même des barrières devant pour pas que les gens puissent venir gratter. C'est grave quoi, parce que c'est quelque chose de beau, parce que franchement... T'es prêt Loulou ? Devant Condor, on a retrouvé toute l'équipe. Donc derrière, on a tout le monde. On a Tracto Coaster qui est là, Gargantua, Lacou Coaster. Donc on est vraiment tous ensemble pour la fin de journée. Donc c'est cool. Et comme ça, après, on pourra vous faire le débrief de la fin de journée. Bon, c'était vraiment une bonne journée. En tout cas, pour la réouverture, pas beaucoup de monde. Vraiment pas beaucoup. Quoi, 5 minutes par attraction, voire 20 minutes à Popcorn parce qu'il était en maintenance tout à l'heure. Mais là, on va pouvoir profiter de Condor pour la dernière demi-heure qui nous reste. Donc c'est parti. Avec le grand organisateur de la journée. Ah non, pas du tout hein. Non, je suis pas organisateur hein. Je suis très loin d'être un gars hein. Et pour Tracto, il pipe. Hurra. Le flop, merci, c'est très gentil. À tout moment, on va avoir une panne. C'est le manège. Oh, la formation, on a une panne. Je te l'avais dit, on arrive beaucoup. Allez, on est tous dans le train, là. Ouais.
Ah, Loulou. Loulou. La casquette, je pense que je vais craquer après. Toujours la petite statue, les mugs, les coussins, je l'ai en couleurs différentes. C'est un peu plus clair là. Le fameux condé en peluche. Nouveau pull aussi qui est sympa celui-là. Il est vraiment sympa. Il n'est pas nouveau, mais j'ai l'impression que le design a un petit peu changé au niveau des écritures. Les mugs. Donc par ici on a un bonnet même pour l'hiver, mais je comprends pas qu'il n'y a pas le logo Conda, c'est dommage. Oh, bon, des manettes, des verres, des porte-clés. Oh, voilà, donc la magnifique statue aussi qui est là, qui est pas à vendre. Dommage bien sûr. Oh, c'était incroyable, incroyable. On enchaîne, on y retourne. Je pense qu'ils ont déjà repassé. Ouais, ils sont déjà retournés dans la file d'attente, ils ont pas le temps. Donc allez, c'est parti, on va les rejoindre et on va continuer les rides. C'est parti. On va enchaîner jusqu'à 6h. Pour la dernière attraction, on est encore tous en groupe, là on va monopoliser un train tous ensemble avec Tracto, avec tout le monde encore pour faire Psyché Underground pour la dernière fois, bah juste ouais. Avant de finir la journée, comme ça après je vous fais le débrief, on va repasser à la boutique pour aller les chercher dernières... quelques petits objets je pense que je vais craquer sur quelques trucs et comme ça je vous fais le débrief à la fin, ça va être un bordel là.
Je pense que ça va bien crier dans la gare. Bon bah voilà les amis, c'est fini, c'est plus la fin de la vidéo. On s'est bien amusé, franchement des belles rencontres aujourd'hui. On se retrouve pour des nouvelles vidéos dans des nouveaux parcs. Cette année, il y a normalement de prévu Energylandia ou Port Aventura, ça sera l'un des deux ou peut-être les deux aussi. On ne sait pas, tout dépend du temps, tout dépend du budget aussi. Donc voilà, sur ce je vous laisse et j'espère que vous avez passé un bon petit moment même si c'était court. Et voilà, donc à la prochaine pour des nouvelles aventures et je vous fais des gros bisous. Et à plus.